En fait, nous, on encourage les clubs, premièrement, à avoir une mission. Ça, c'est important. On encourage la variété aussi. Nous, on a 16 clubs, donc c'est certain qu'il faut qu'on soit capable de répondre à tous les types de clients. C'est sûr qu'on fait de la compétition, donc on veut axer les clubs vers un programme qui est compétitif, mais chacun avec leur couleur, leur but personnel. Moi aussi, j'essaie de faire un gros travail d'équipe dans la région parce que je pense que c'est important qu'on développe des athlètes ensemble. Je pense que ça prend des clubs qui sont structurés, organisés. Je pense que c'est vraiment ça le mot-clé. Là. Quand il y a un club qui fonctionne versus un autre qui fonctionne un petit peu moins bien, moi, ce que je vois, c'est que c'est vraiment au niveau de la structure, de l'organisation, des bénévoles. C'est sûr que ça prend des bénévoles. Ça prend des bénévoles compétents, formés, qui restent longtemps. Donc, même chose pour les entraîneurs-chefs. Ça prend des entraîneurs-chefs qui sont là pour quelques années. Le temps de les former, qu'ils fassent le tour, qu'ils voient un petit peu toutes les facettes des médailles. Ça prend du temps. Au niveau des équipes, par exemple, de vos équipes U18, U16, c'est quoi un peu le au niveau du dessin du programme, l'idéal, selon toi? Bien, c'est sûr que, bon, nous, dans la région, cette année, on a essayé quelque chose de nouveau. On a une équipe U14, donc une équipe régionale U14, qui reste dans leur club et qui s'entraîne ensemble. Donc, c'est un programme hybride. On a une équipe U16 puis U18, là, comme il y a dans les autres régions. Encore là, nous, ce qu'on veut dans l'équipe élite, c'est d'avoir les meilleurs, mais pour avoir les meilleurs, il faut travailler la masse. Donc, c'est un petit peu ça notre philosophie. Tous nos membres, on a 1300 membres dans la région, il faut s'occuper de nos 1300 membres si on veut en sortir quelques élites dans ça. Je pense que ça prend à peu près au moins 100 jeunes de masse pour qu'il y en ait un qui sorte et qui se rende plus loin à l'équipe du Québec. Bien, selon moi, je pense que ça prend quelqu'un pour coordonner tout ça. Quand tu laisses les entraîneurs, chacun avec leur programme, faire leur petite affaire, bien, des fois, ils travaillent en bloc, ils travaillent isolés. Puis nous, c'est ce qu'on essaie d'éviter dans la région. Donc, moi, je coordonne les programmes élites, je coordonne qu'est-ce qui se passe dans les clubs. Puis j'ai des personnes, c'est sûr, qui m'aident. Mais on fait beaucoup de réunions d'équipe. On a un comité alpin pour prendre les décisions. Il y a un représentant par groupe d'âge qui est nommé, qui est voté à notre assemblée annuelle. Donc, on a vraiment un comité avec nos athlètes élites, un représentant par groupe d'âge de club qui est là. Puis c'est vraiment de cette façon-là qu'on prend les décisions dans la région. Donc, on veut que les gens aient leur mot à dire, puis on veut qu'on travaille ensemble. C'est sûr aussi que cette année, on a mis beaucoup d'emphase sur le mentorat. Donc, le mentorat, ça, je pense que c'est quelque chose, si on veut avancer, si on veut des coachs compétents, si on veut des bénévoles, des entraîneurs-chefs compétents, nous, on pense qu'il faut les mentorer puis mettre des personnes clés. Mais c'est ça, nous, cette année, on a été chercher une équipe d'experts. Parce que bon, oui, il y a la tâche sur le terrain, là, mais on a été chercher Geneviève Simard. Donc, Geneviève Simard, elle a travaillé avec nous. Elle s'occupe principalement des clubs, de faire du mentorat dans les clubs, puis d'amener vraiment son expertise. Elle n'a pas une grande expertise en coaching, mais elle a une vision globale de ce que c'est le ski. Ça, elle apporte ça dans les clubs, puis elle fait le pont entre les clubs puis l'équipe élite. On a aussi une psychologue sportive avec des Malo qui travaille avec nous et dans les clubs et avec l'équipe élite qui fait des rencontres même avec des parents, des présidents de club pour leur expliquer un petit peu cet aspect-là de la psychologie sportive, de la préparation mentale surtout. Ensuite de ça, ben on a une équipe Actiforme au niveau de la préparation physique. Donc, eux, c'est eux qui designent tous les programmes, qui encadrent toute la préparation physique de l'équipe élite, mais qui m'aident aussi à amener le message dans les clubs pour que le pré-saison, exemple, se fasse bien puis qu'il y ait du maintien dans l'année aussi. Ensuite de ça, on a une nutrition. On a Ariane Lavigne qui fait les Jeux olympiques cet hiver en snowboard. Ariane, elle travaille avec l'équipe élite et avec les clubs. Elle nous aide à faire des petites chroniques sur le site Internet, différentes présentations aux parents, parce qu'on sait, bon, c'est eux qui font l'épicerie. Oui. Donc, mais c'est ça. Ça, c'est notre équipe d'experts là, qui gravite autour de nos coachs. Puis toi, là, au niveau du leadership, là, justement, pour ça, c'est une compétence connexe. C'est quoi un peu le rôle? C'est quand même difficile, 18 clubs en ligne, 17 clubs, mm-hmm. Là, je ne sais pas combien. Là, mais on en a 16. Vous avez 16 clubs en ligne. Au niveau du leadership, parle-moi un petit peu de ce qui est important pour toi que ça fonctionne, une zone.
Ben, c'est beaucoup la communication. Moi, ce que je me rends compte, c'est que chaque club a sa vision, a ses façons de voir les choses. Mais moi, je suis là un petit peu pour les coordonner puis les faire sortir de chez eux pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passe ailleurs, pour qu'ils voient qu'ils sont pas tout seuls dans leur situation, qu'ils relativisent un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc moi, je suis là, bon, pour coordonner, pour, c'est sûr, gérer les problèmes parce qu'il y en a pas mal quand on a beaucoup de monde. Mais j'essaie de mettre des programmes en place pour faire de la formation. C'est vraiment de la formation, des séminaires, rassembler les gens ensemble, essayer de cibler les problématiques, les choses à améliorer, puis faire venir des intervenants pour travailler avec le même message dans la région, là. Mais moi, je pense qu'on a beaucoup d'entraîneurs, bon, dans la région. Puis si on les laisse aller avec les saisons qui sont courtes, ben les entraîneurs-chefs, des fois, ils sont pris dans un tourbillon où ils n'ont pas le temps d'être sur le terrain. Ils aimeraient ça être là, ils n'ont pas le temps. Puis il y avait beaucoup de « Ah, oh, ça a l'air compliqué ». Finalement, nous, on a vraiment décortiqué ça, on a résumé ça sur une page, on a fait une présentation à tous les coachs, les entraîneurs-chefs, puis on les a un petit peu, on leur tord un petit peu la main. On leur dit « Bon, en fait, semaine prochaine, on est là, Geneviève puis moi, puis on en certifie 5. Donnez-nous des noms. » Donc, on y a été un petit peu avec cette approche-là, puis à date, ça fonctionne très bien. Déjà, là, mi-janvier, on en a une 35 à peu près qui ont été certifiés. Donc, puis de ces 35-là, comment vous mesurez-vous l'impact, là, outre qu'il y en a 35, là? Bien, je pense que déjà que l'entraîneur fasse l'effort de remplir son cahier, qu'il fasse la lecture des documents, qui n'est pas très compliqué, mais juste de les lire, de l'écrire, c'est 5 pages à remplir, en fait. Ben déjà, il se rend compte de c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles. Puis quand on arrive, on fait juste confirmer avec lui. Puis c'est une discussion constructive pour essayer de l'amener dans améliorer des petites choses. Mais à date, c'est quand même assez bien qu'est-ce qu'on voit. Mais c'est surtout qu'il faut continuer à le faire parce que les jeunes entraîneurs ont définitivement besoin, pas de se faire tenir par la main, mais que quelqu'un soit là pour leur dire « t'es dans la bonne direction » ou « fais attention à ci, à ça ». Puis à date, en tout cas, la réponse est bonne. Puis les coachs, après leur évaluation, font « ah, oh, ben je suis contente de l'avoir fait, c'est pas si compliqué que ça ». Marie-Pierre Jourdain, merci beaucoup, puis bonne saison à la DLS. Merci.